Avec seulement 110 habitants, c'est une des plus petites communes du Rhône. Vernet, dans le Beaujolais, se prépare aussi aux prochaines élections municipales. Didier Bézy est maire depuis 2008. Arrivé un peu par hasard, il sera candidat à sa propre succession dans un village qui compte une soixantaine d'électeurs et 11 élus. Le village était le modèle de la démocratie pour Jean-Jacques Rousseau. Pourquoi ? Parce que les gens se connaissent. Et peuvent mieux s'organiser. Elle fait partir d'ici, là. Ah, elle partirait de chez Evrard et elle arrive. Didier Bézy estime que sa fonction l'occupe une vingtaine d'heures par semaine et n'a rien à envier aux communes un peu plus importantes. Voix de la Savoie. Aujourd'hui, avec son équipe municipale, il planche sur un dossier un peu particulier, attribuer un nom à toutes les routes et voies du village. Je trouvais vraiment important de s'investir dans la vie du village, parce que c'est un petit village et je voulais que ça soit dynamique, donc je me suis investi. J'étais dans une commune de 2500 habitants, j'avais fait deux mandats, ça n'a rien à voir. Il faut être toujours disponible pour tout et n'importe quoi. C'est beaucoup de réunions pour les élus. Pour les adjoints et pour le maire encore plus. Dernière particularité, Vernet est un village où l'on vote massivement. Lors des dernières élections municipales en 2008, le taux de participation dépassait les 95%, record du département.